Et voilà, bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le petit tutoriel de ce magnifique système. Hein. Donc en gros on peut appeler ça, on va dire, on peut qualifier de ce système de plateforme multimodale. On passe vraiment de petit clin d'œil au passage, on peut vraiment passer d'un moyen de transport à un autre très facilement. Donc c'est-à-dire on passe du moyen de transport donc au niveau du train en fait et on repart au bateau ou à la nage. Donc c'est vraiment cool au cas où par exemple si vous avez une gare secrète en dessous de la terre, enfin en dessous de l'océan, et après pour remonter sans être repéré. Donc ça c'est vraiment le but du système en fait. Donc on va commencer. Donc alors j'ai déjà placé quelques, enfin même pas les, ouais, les bases on va dire. Donc ici viendra votre gare, donc enfin votre vos rails hein, donc, qui viendront d'ici. Donc il faut une seule voie uniquement, et à partir d'un moment vous allez placer donc à la fin deux rails booster, un ray détecteur. Alors la vitesse est assez importante, on doit partir d'une vitesse assez vite, pas trop lente en fait. C'est pour ça que les rails boosters doivent être très importants. C'est très important je veux dire. Donc on a deux rails boosters, un ray détecteur, un autre rail booster. Alors ici pour faire la jointure, car justement on a une intersection, je vais juste vous montrer. Hop, hop, donc c'est très simple. On connecte comme ça, sauf que vous voyez que si on pense d'abord celui-là et après celui-là, ils se connectent pas ensemble. Donc c'est pour ça qu'il faut casser ce rail ici, connecter cela et ensuite placer le dernier rail là. En fait d'abord on voilà, donc comme ça il se connecte ici, et le problème c'est que du coup ce rail détecteur là va en fait détecter que quand on passe pour changer le sens du rail ici hein, pour pouvoir continuer tout droit, parce que là le minecart va vers là-haut, ça n'a strictement aucun intérêt. Donc vous placez un rail normal, un rail détecteur, un activateur rail histoire de descendre du minecart, et un petit chemin pour où le minecart va tomber et va être réceptionné en bas. Sur la deuxième voie, vous allez placer donc un rail booster, un dispenser, trois autres rails, et vous reliez à la jointure de tout à l'heure. Donc c'est très simple. Alors ensuite, en dessous du rail détecteur, nous allons placer hop, un bloc avec une poule de redstone, un bloc juste en face ici, un repeater, un bloc et une torche. Donc là, ça alimente le système ici. Donc on peut voir d'ailleurs, voilà, la torche elle alimente ce bloc, et en fait au moment d'ailleurs on va montrer avec un petit exemple, au moment où il y a le minecart qui va passer, voilà, ça va changer. Alors les délais sont assez importants hein. On va juste alimenter, non, je suis con, j'ai déjà une torche, on va déjà alimenter et on va voir si le délai fonctionne. Voilà, pas de problème. Le délai est parfait, donc vous touchez rien, hein, c'est juste un tic normal. On se retrouve à tout de suite. Voilà, donc voilà pour la suite. Donc alors, ce qu'il faut faire, oula pardon, ce qu'il faut faire, donc on se retrouve, alors en dessous du détecteur rail ici, on va placer un bloc. Et là en fait on va placer, oups, voilà, j'ai réussi à le placer jusqu'à haut, on va faire placer deux blocs, oula, comme ceci, avec un repeater et un autre repeater. Donc il faut qu'il y ait un des deux qui soit à fond, hein. On va placer un bloc, une poudre sur ce bloc, encore un bloc au-dessus, et là on va placer un petit jeu de torche de redstone, tout simple. Et juste au-dessus ici, en fait on va placer donc notre torche là, et deux pistons au-dessus des rails, donc pas au-dessus des torches, hein, juste au-dessus des rails. Ah, j'ai oublié le petit bloc ici qui va alimenter le deuxième piston. Pourquoi? Car en fait, comment expliquer, bah oui forcément ça va pas le faire. Mais quand on est dans un minecart et qu'on traverse le piston, comme c'est un bloc transparent, ça n'interfère pas du tout, enfin ça nous donne aucun dégât. Alors par la suite, donc on arrive ici. Et donc ce qu'il faut faire, c'est un bloc là, un bloc ici, un bloc là, un repeater ici qui est à fond. Ensuite là ça va être une sorte de double intersection en fait, le courant va se séparer en deux. Donc ici on aura deux repeaters, encore une fois, hop, deux repeaters ici, un repeater. Voilà, excusez-moi, là. Petite erreur de ma part. Donc alors on place un repeater à fond, le courant se sépare en deux, donc deux repeaters, un autre repeater ici qu'on va placer, un bloc, une torche, et cette torche en fait va alimenter ce bloc qui va alimenter cette torche encore, qui elle-même va encore alimenter un bloc, et qui elle-même avec ce bloc-ci va alimenter ce piston qui est là. Voilà, donc alors c'est tout con. En fait d'ailleurs devant les pistons il faut mettre du verre hein, j'ai oublié de le préciser,
Hop. Du verre, alors très important du verre, pas un bloc non transparent, sinon c'est tout, on va passer sur les rails ici. Alors, comment fonctionne le système? Quand on va au fait passer, donc d'ailleurs je vais justement, je vais pas vous montrer exprès avec le piston, d'abord qu'est-ce qui se passe. Quand on va passer au fait là-dessus, on va être éjecté et les pistons vont nous pousser. Sauf que regardez bien, on n'atterrit pas sur un bloc précisément, on atterrit entre les deux blocs. Donc vous allez me dire, ouais c'est ça, on place l'activateur rail. Eh ben non, l'activateur rail ne peut, enfin on ne peut atterrir avec un activateur rail que sur un bloc, enfin sur un seul bloc précisément en fait. On atterrit toujours un peu plus à gauche qu'à droite. Donc là, pour ce cas-ci, on atterrit pile entre les deux blocs. Or, c'est ce qu'on veut pas, parce que dans le système, il faut qu'on atterrisse sur un bloc précisément, soit celui-là ou soit celui-là. Donc, bon, le système là, ça sera celui-là. C'est pour ça que le piston ici, en fait, il aura pour but, une fois qu'on sera poussé, de nous repousser en fait un tout petit peu, hein, un tout petit peu, hein, hop, juste pour qu'on soit pile sur cette case-là. Et sur cette case-là, d'ailleurs, hop, on va creuser un petit trou. Ah, on va poser un piston et on va poser un slime block. Alors oui, cette construction nécessite un slime block. J'arrive plus à parler. J'arrive plus à parler, mon dieu. Nécessite un slime block, oui. Donc si vous n'êtes pas encore dans la mise à jour 1.8, je crois. Non, c'est, je sais plus quelle mise à jour c'est. Le slime block. Oh mon dieu. Enfin, un point et quelque chose, bah vous êtes dans la merde. Hein, il faut un slime block. Voilà, un point c'est tout. Donc vous mettez de l'obsidienne tout autour. Et sauf à cet endroit-ci, on va laisser un trou exprès, je vous expliquerai pourquoi. Et on va passer, je sais pas moi, un petit verre, voilà, du verre rose, voilà. Hein. Hop. Non. Ici, non, toujours pas, hein. Ils veulent toujours pas me passer. Enfin, on s'en fout. Bref, on a mis une double couche, c'est pas ce qu'il fallait faire. Voilà. On met un trou ici et un trou là. Alors, pourquoi? Alors ces trous-ci, c'est important, pardon, c'est même pas le trou là en fait, il est là le trou, juste en dessous du piston. Pourquoi ces trous-là sont importants? Car au fait, déjà au cas où, s'il y a un des panneaux qui va casser par la suite, ça va assurer l'étanchéité du système, c'est-à-dire que l'eau va chercher où sont les trous les plus proches, et à la place de se déverser dans tout le système, en fait, elles vont aller tranquillement se déverser dans les petits trous, donc ça c'est un bon point. Et c'est surtout au fait pour cette fonction-là, donc c'est-à-dire que si vous restez appuyé, alors ça c'est important, donc je reste pas appuyé, vous allez voir que je vais être tranquillement poussé, voilà, poussé vers ce slime block. Donc après on va l'alimenter en courant évidemment pour qu'il nous propulse. Mais si je reste appuyé sur la touche avancée, donc Z, hein, regardez bien ce qui se passe, j'atterris dans le trou. Car au moment en fait où je vais être déporté, au moment où je vais être déporté entre les deux blocs là, le piston là n'aura pas, les deux pistons là n'auront pas le temps en fait de me pousser, que moi j'aurais déjà avancé, et ils vont s'activer juste au-dessus de moi. Donc du coup, je pourrais continuer mon chemin sans être allé au-dessus. Donc ça, c'est très simple. Ça, c'est super sympa au cas où, si par exemple, ça peut être une station, une station d'interchange, quoi. Par exemple, vous pouvez continuer votre système de votre rail, quoi, vers le haut. Donc vous prenez à partir d'ici et vous continuez. D'ailleurs, j'ai nickel dispenser. Et vous continuez. Donc ça peut être un petit moyen, une petite station, on va dire, et un petit moyen sympa. Donc de continuer sans forcément remonter à la surface, hein, parce qu'à chaque fois par exemple si on veut continuer on doit c'est pas éjecter une minecart de force ou casser le minecart, c'est pas très optimisé. Alors on va alimenter ce slime block, alors rien de plus con, hop, on va juste prendre un bloc ici et je viens de me rendre compte en fait d'une erreur. Oui pardon, c'est parce qu'il y avait le bloc rose ici, donc du coup je suis pas, hop, et on place une poudre, voilà. Il y a un petit point, alors par contre les délais je m'en souviens plus, alors ça c'est bon, mais ici je crois que il y en a un à fond, bon on va tester, tiens, là on fait des expérimentations dans le test, on s'en bat les couilles, voilà, hop, petit défaut, ici il faut mettre de l'obsidienne, donc ici ça fonctionne bien, on reteste, oula, petit bug, désolé, pour autant je vais juste aller vérifier parce que, cas où si je vous dis une merde, parce qu'après au fait il y a tout le reste qui est avec le système, donc c'est très important. Oui je me disais bien, alors là ce sont beaucoup plus exagérés les délais, hein. Là j'ai vraiment exagéré les délais exprès, donc ok, un ici, un point ici, un point là, ok bon alors c'était con. Un point là, et celui-là il est à fond normalement je crois. Voilà, oui c'est ça. J'ai pas envie de vous dire des conneries, donc autant vérifier. Hein. Hop. Voilà. Pourquoi il faut que ça s'active plus longtemps? Enfin, plus longtemps, parce qu'avant vous allez me dire, ouais, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup mieux.
Il faut que ça s'active plus longtemps parce qu'en fait on aura justement la porte ici, donc on va construire d'ailleurs ensemble. On aura une porte donc qui va permettre en fait de d'ouvrir l'accès à l'océan en fait. Hop, donc ici, donc, et là alors c'est très important, vous allez mettre de la terre, hein, enfin de la terre ou du enfin du sable quoi que. Ah du sable ça fonctionne aussi, hein, du sable ça fonctionne aussi. Bref, tous les blocs en fait tous les blocs qui sont enfin par exemple normalement l'eau. Là, comment expliquer? Le sol, en fait, le vrai sol, par exemple, le sol de l'océan, bah, sont déterminés par la surface des blocs ici. Donc, en gros, on a quatre blocs, ouais, quatre blocs entre la gare, la fausse gare en dessous et la surface profondeur de l'océan, quoi. Et en gros, donc, il faut que ça soit le même bloc pour s'assurer le camouflage. Bon, après, forcément, en dessous de l'océan, on voit que dalle, mais bon, même si le gars, il a une potion, on sait jamais. Alors, dans ce cas-ci, je vais prendre un bloc bien visible, histoire que vous voyez bien. Voilà, un bloc, non, un bloc de diamant, là, parce que je fais des thunes. Voilà, tout simplement. Alors ici, comment connecter, au fait, ces deux pistons ensemble? Alors, c'est très simple. Alors d'abord, j'ai oublié de vous préciser, il faut placer un dispenser ici. Je suis con, j'en avais déjà un dans la barre des tâches. Faut placer un dispenser ici, pourquoi? Parce que comme ça, au fait, il va pouvoir alimenter, au fait, enfin, va pouvoir nous distribuer un bateau. Pour pouvoir remonter plus vite à la surface, c'est quand même beaucoup plus intéressant que remonter là au risque de se noyer quoi. Ou il peut très bien distribuer aussi une potion, hein, une potion de résistance à l'eau pour pouvoir rester plus longtemps dans la flotte. Donc voilà, donc je vais vous montrer tout ça après, à tout de suite. Voilà, donc nous voilà donc pour la construction de la porte. Donc alors c'est très simple. On va le placer une torche ici, un bloc là avec un répéteur. Donc placer ici à l'avant-dernier hein, pour optimiser le système, j'allais dire, voilà. Une poudre. Oh là là, mais c'est horrible. Regardez-moi ce bug, c'est dégueulasse. Voilà. Oh mon dieu. Bref, on peut placer un bloc ici avec un répéteur pour éviter que ça interfère avec le piston. Placer une dalle encore une fois. Une poudre pour éviter aussi que ça interfère avec le dispenser. Et un bloc. Donc voilà. Donc la porte fonctionne. Alors, pas de raison. On teste. Voilà, ça fonctionne. Voilà. Alors oui, c'est dégueulasse, excusez-moi si les animations sont horribles, c'est que le PC commence à vraiment lâcher. Hein. Je suis désolé, bref, le système fonctionne. Alors, comment alimenter cette torche? Bon alors, on va rejouer avec un petit jeu de torche tout basique. Voilà. Et on va en fait reprendre la ligne ici. On va placer en fait avec un repeater, un fil. Hop, non pardon, c'est l'inverse. Vous placez un repeater ici et d'abord un fil, voilà, comme ça. En dessous de ce repeater, on va placer un petit chemin, comme ceci. Hein, donc voilà, repeater, bloc, et vous mettez un chemin en dessous. Et vous placez tout simplement des fils de redstone avec ici une... oulala, ouah mais... oh, regardez, regardez-moi ça, c'est pas magnifique ça, regardez, c'est dégueulasse. Oh les particules là qui sautent à la gueule là, ils n'ont même pas sauté. Mais normalement il n'y a pas de bloc ici. Ah, regardez, normalement le bloc il se trouve ici, vous voyez. Enfin bref, c'est bugué ça, c'est bugué, voilà. Pareil bordel. Donc voilà, donc le système doit tout le temps rester allumé. Pourquoi? Bah forcément parce qu'on veut pas l'inverse, on veut pas qu'il y ait un trou et ensuite que le système s'active. Alors je ne sais pas combien il y a de délai ici, donc on va tester pour voir si ça fonctionne. Ça fonctionne pas, bon. Et voilà, nice, ça, le système fonctionne. Donc oui, il n'y a pas de délai à rajouter ici à la filière là. Donc on pourrait se dire très bien, bon alors ça c'est au moins, hein. Sauf qu'il nous reste juste à alimenter le petit dispenser qui est ici, parce que forcément, hein, faut qu'il soit alimenté. Alors on va prendre une autre couleur, une petite laine, marron, je veux dire le marron, couleur merde, ça cool. On va placer un fil comme ça. Alors pourquoi un fil ici? Pour rien, la limite en fait on pourrait laisser ça comme ça, mais c'est juste pour esthétique, hein. On va pas faire chier, on va pas faire chier. Alors là, hop, il faudra faire, oula, un petit jeu de torche aussi. C'était comme ça, je m'en souviens plus, si c'était comme ça. Ça, bah non, du coup ça alimente ici, avant. Bah là aussi ça alimente. Toc, là, désolé, donc alors, c'est une poudre ici, hop, un bloc là, un bloc là. Et c'est là, au fait, où on va mettre le petit jeu de torche. Hein. Parce qu'en fait, sinon,
ce que j'avais fait avant, en fait, ça allait interférer avec la poudre ici, il fallait pas. On va placer un autre bloc ici. Une petite torche là. Et alors du coup ici c'est pas alimenté par à cause justement de la dalle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer en fait la dalle, mais en fait on va mettre simplement un petit repeater ici. Donc alors à ce moment là on rajoute un délai là, en fait, tout simplement. Vous pouvez faire comme ça, vous pouvez pas faire comme ça, enfin c'est comme vous voulez. Dans tous les cas il faut alimenter ce dispenser. Donc on teste quand même que le système fonctionne toujours, pas qu'on a interféré trop avec les délais et que ça déconne. Voilà. Alors le piston là il m'a pas bien poussé, vous voyez, je suis dans le coin du bloc. Alors on va retester. Parce que j'ai touché aussi. Effectivement, le piston là me pousse pas très bien. Un petit moment, un petit bug au niveau des délais à mon avis. Comment résoudre ça? On va pouvoir mettre une poudre ici, je suis con. Voilà, comme ça. Et on va pouvoir du coup redécaler ici. Donc je pense que c'était à cause de ça, c'est pas sûr, à mon avis. On va retester. Voilà. Alors là, évidemment le putain de minecart il passe. Il passe dans le système. Alors justement pour éviter ça, justement on va construire en fait le système qui récupère le minecart en dessous. Donc voilà, donc normalement là le système il fonctionne. Alors regardez ou pas, par exemple on va distribuer du charbon, hein, truc qui sert strictement à rien, mais on va quand même le faire. Allez, on est fou. On passe ici. On a le petit charbon et on repart à la surface. C'est pas magique comme système. Donc voilà, donc maintenant on va se retrouver pour la partie simplement collecteur de minecart. Donc à tout de suite. Et voilà, nous voici donc. Désolé pour ces coupures, mais oui, mais j'ai pas une mémoire de malade et j'ai pas fait le système 50 fois, donc je suis obligé de faire des coupures pour vite faire regarder. Hein. Je vous l'avoue, donc alors on va prendre un cactus, du sable. Oui, parce qu'en fait on va pas le brûler le minecart, on va pas le buter avec des flèches, on va tout simplement le cactuser. Voilà, on peut dire ça, le cactuser. Le sable, j'ai pas pris de sable avant, non j'ai pas pris de sable, j'ai toujours mon skin sadomaso, si vous avez fait. Du sable. Et ça ici, voilà, tout simplement. Alors hop, voilà la réponse à la vie, les gens. Non, je déconne. Bref, j'arrête de faire des conneries, on va quand même se mettre un peu sérieusement à ce tuto parce que ça va pas aller sinon. Alors dans quel ordre je les place mes trucs, moi? Attendez là, faudrait quand même un ordre, hein. Alors attendez, on va placer tout simplement des hoopers tout autour. Donc pour l'instant, ils se dirigent comme ça, tout du même sens. Alors, ça fait une petite boucle, ce qui sert un peu à rien. Donc voilà, donc à chaque fois qu'il y a un item qui va tomber, hop, il va se retrouver ici. Voilà, c'est magique. Il faudra juste que j'aille dormir avant. Et là, en fait, c'est quoi? Parce qu'il commence à faire nuit, ça fait chier. Là, c'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer? On va avoir en fait un système d'ascenseur item, en fait. Il va monter ici et on va pouvoir monter, et vous voyez comme par hasard, c'est pas magique, pile au dessus du dispenser. Voilà, c'est pas magique, hein. Bah oui, c'est calculé d'avance, hein, forcément. Hop, et voilà, donc on place la petite colonne dispenser. Bon, je vous retrouve à tout de suite, hein, je vais dormir. Voilà, on se retrouve. Donc alors qu'est-ce que j'allais dire? Bon, je sais pas ce que j'allais dire. Oui, je disais, je me suis foiré au niveau du système ici, c'est un bloc plus bas en fait, hein. C'est pas c'est un bloc plus bas, donc vous décalez tout ça d'un bloc plus bas. Parce qu'en fait sinon ça va faire foirer au niveau de l'ascenseur, en fait, on va toucher des circuits. Et tout va foirer, donc désolé, hein, désolé, mais il faut recommencer, mais bon comme ça, ça vous apprend le système. Putain de merde, l'aspirateur derrière ça fait chier, bref bon. Alors on va quand même continuer le tuto, hein. La tempête qui est derrière, bon ça fait rien. Alors voilà, non si, alors on va placer d'abord un bloc en fait ici pour tout simplement connecter le dispenser à ce bloc, parce que sinon ça va faire chier. Donc on connecte tout ici comme ça, tout simplement. Vous maintenez shift click, hein, au cas où, hein, pour les débutants. Et hop, on va poser encore un bloc là et un hooper, voilà, cherchez le nom, un hooper et un dropper encore ici. Donc là on aura le sensor item. Tout simple, tout basique. Et là au fait, tout basique, non c'est nul. Et simplement on va placer
Du verre autour. Alors pourquoi mettre du verre autour? Vous allez me dire, ça sert strictement à rien. Oui, c'est pour la déco. Oui, c'est pour éviter de se bouffer le cactus au cas où si on est con. Mais c'est surtout pour éviter que le cactus grandisse. Parce que, en fait, à la base, par exemple, si vous voulez mettre une petite salle ou un truc à la con comme ça ici, bah, pour éviter que le cactus grandisse, bah voilà. Ça peut toujours servir. Hein. Non, mais sérieusement, c'est surtout pour éviter que le minecart se disperse. Parce que c'est déjà arrivé une fois. Bon, on va éviter les erreurs dans le jeu quand même. Alors, hop, on va placer deux blocs d'ailleurs ici. Et pour éviter au fait que le minecart, quand il soit détruit, normalement c'est pas le cas, mais des fois il risque de sautiller un peu. Et le verre, en fait, c'est pour l'empêcher d'aller trop loin, quoi. Bon, en général, hein, ça sert pas. Mais bon, il vaut mieux éviter de prendre des risques. Alors, voilà. Et là, en fait, il faut se diriger dans le cactus. Donc on va faire comme ça, poser des rails ici. On se dirige dans le cactus et on va replacer notre petit cactus. Voilà. Alors pourquoi, en fait? Directement rentrer en tournant en fait dans le cactus, car le minecart en fait quand il prend un tournant, donc alors on va faire un petit démo, allez, on est sympa, voilà. Alors parce que quand le minecart en fait est dans le tournant, vous voyez il est en diagonale en fait, et la partie du cactus, la première partie du cactus, bon imaginez que là c'est le cactus, hein, le bloc là, et la première partie du minecart qui va toucher le cactus en fait, ça va être le coin. Donc vous voyez, c'est le minecart, c'est bien aplati en fait contre le bloc. Il y a une petite partie dans le coin qui rentre dans le bloc. Et tout ça, en fait, c'est pour éviter, en fait, que le minecart, si on rentre en ligne droite directement en poussant le cactus, soit détruit par le cactus, en fait. Donc ça, c'est assez important à faire, parce qu'en fait, c'est déjà arrivé que le minecart soit déjà détruit par le cactus dans mon système. Alors, avec ça, avec la parade là, en fait, il n'y a aucun risque, hein, ça c'est sûr. Désolé, je construis un peu sans vous. Oups. Hop. Donc on place les rails, on les fait passer ici. Et alors là, en fait, on va le faire tomber. Alors, on va le faire tomber. On va le faire tomber ici, je crois. Ici, ici. Bon, on verra bien. Alors, on remonte à la surface. Ici, on a le petit trou. Alors, le petit trou, le petit trou. Et là, en fait, on va placer donc un rail booster. Direction descente. Donc, alors, hop, on va repasser en dessous du système quand même. En fait, qui va directement descendre jusqu'ici. Donc, on place un rail booster comme ça. Et non, pardon, excusez-moi. C'est ici qu'il faut le placer. J'ai peur de dire des conneries. Attendez, attendez, attendez. J'ai peur de dire des conneries. Oui, voilà. Pardon. Excusez-moi. Donc, du coup, ici, le minecart qui passe comme ça. Oui, voilà. J'ai eu faux là. Donc, en fait, il faut continuer d'un bloc un peu plus loin. Voilà. Et là, on va placer un rail booster avec un bloc. Le minecart, quand il va tomber. Oh, mon Dieu, c'est pas possible. Je m'en sors pas. Mon Dieu. Le minecart, quand il va tomber. Il va arriver ici, il est propulsé par le ray booster, il tombe dans le petit système, il accélère, il fonce dans le cactus, on le récupère, on le remonte, et il repart ici dans le dispenser, prêt à repartir en fait dans le sens inverse du circuit. Alors, donc on va alimenter tout ça, donc c'est tout con, on passe une petite torche ici pour alimenter. Hein. Alors très important, on ne peut pas alimenter le rail en fait avec un bloc de redstone ici, de redstone, on ne peut pas l'alimenter parce que je sais pas pourquoi, c'est complètement con en fait parce que. On va dire que le jeu ne considère pas le bloc de redstone comme un vrai bloc en fait, parce qu'il alimente et en même temps en fait c'est un bloc plein. Donc je sais pas pourquoi, mais quand le minecart il y a un bloc de redstone derrière et qu'il y a un ray booster, il peut pas s'alimenter alors qu'il devrait. Alors bref, ici on place un petit bloc. D'ailleurs ici ce bloc là est inutile. Et on va là, on va placer quelques ray boosters. Voilà, histoire de faire l'affaire, on va replacer, hein, je sais pas moi, ici là. Voilà, moi quoique il a assez de vitesse. Ouais, mais on s'en fout, on va quand même accélérer. Alors. Là, vous pouvez placer un bloc de redstone si vous voulez. Allez, hop, c'est pas obligatoire hein, ce que je fais, hein, mais bon. Si vous voulez exactement comme dans mon système, bah c'est comme ça. Alors, le minecart tombe, je simule la chute. Ah oui, évidemment. Erreur à pas faire que je viens de commettre d'ailleurs. Placer un bloc ici pour que le minecart se heurte en fait contre le bloc et évite de partir en couille comme ce qui vient de se passer. Donc pareil ici. Hein. De toute façon, ici il y aura des. On va faire mal. On va mettre des hoopers ici pour tout simplement remettre du charbon dans enfin du charbon, je veux dire des bateaux ou des potions dans le dispenser d'ailleurs. En mettant ça, au fait, il faudra mettre une dalle ici pour éviter de bloquer le hooper. C'est très très important. Excusez-moi. Vous placez donc une dalle pour éviter justement de bloquer le hooper qui est ici. Et voilà. Et donc du coup, là, le minecart normalement devrait plus se barrer. Hop, donc on teste. Voilà. Alors. Le machin carrément. Je rigole, il est là. Genre, ça a été aussi vite. Ah bah oui, ça a été aussi vite, bah dis donc. Donc voilà, donc le minecart
se retrouve tout en bas. Et là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour finir le système? On va prendre du magenta. Magenta. Bref, on s'en fout. On va prendre du magenta et on va construire l'ascenseur à item. Donc, alors, comment je me suis démerdé? Oui, c'est ça. Donc, à partir d'ici, on va prendre un... Comment ça s'appelle là? Un Redstone comparator, un Redstone comparator. Alors on va passer ça, on va placer ça comme ça. Alors pourquoi mettre un d'ailleurs juste après et en remettre un d'ailleurs en inversé, hein, faut bien important que la petite lumière soit allumée, sinon ça fait pas la boucle. Je disais, pourquoi foutre un répéteur ici? Alors pour au cas où s'il y a plusieurs mancartes qui arrivent en même temps, parce qu'en fait un comparateur permet de détecter un item en fait. Et si vous rentrez dans le comparateur et que, dans le comparateur et qu'il n'y a pas assez, s'il y a trop d'items en fait, il y en a qu'un seul qui va être envoyé et le reste va rester en bas. Donc en général ça vous sera pas hyper utile parce qu'en général je crois pas qu'il y aura 15 gars qui vont défiler d'un coup. Mais bon, jamais. Donc on remet un repeater. Donc pour la même raison et surtout pour allonger la boucle. Hein, parce qu'il faut pas que la boucle soit trop rapide, sinon ça va... Enfin, je vais laguer comme un porc, donc ça c'est pour éviter de laguer. Alors pourquoi ici on rentre en contact avec la torche oui bon alors c'est simple, on va tout simplement déplacer la torche, on s'est pas chier. Excusez-moi. Désolé hein, si je fais un peu de la provise parce qu'en fait je peux pas savoir. Enfin je sais pas vraiment à l'avance, en fait là je fais un peu de l'impro. Donc comme ça, hop comme ça. Voilà, donc ça tourne, c'est pas beau parce qu'il y a déjà un item, mais c'est bon, on va l'enlever pour éviter de laguer. Hein. Et là on va mettre deux blocs. Comme ceci. Alors, on va placer un repeater, un autre repeater, un bloc, et là, on va commencer notre petite ascension. Hop, hop. Et alors là, en fait, vous remarquerez en fait qu'on peut, ça alimente directement le power and drag, ce qui est parfait. Et en fait, chose importante, on va rallonger le délai. Oh mon dieu, j'arrive pas. On va rallonger le délai ici, à fond. Pourquoi? Car en fait, au moment où il y a l'item qui va être là, la boucle va s'activer. Et justement, si on la fait activer plus tard, en fait, elle va se désactiver plus tard. Ce qui est logique. Elle va se désactiver plus tard, et donc du coup, l'item aura le temps de remonter jusqu'au dispenser. Donc c'est sûr, donc on va mettre un lit. On va voir si mon lit, il arrive tout en haut. Hop, hop, hop. Et voilà, le lit est arrivé en haut, c'est magique. Donc voilà, donc désolé si je présente un peu mal le système, hein. j'ai essayé de faire de mon mieux. Donc après, ce qu'il vous reste à faire, de mon essence, c'est camoufler tout ça en dessous de l'océan. Hein. Hop, on va aller, je sais pas, on va prendre de la laine bleue. Allez, on va juste tout camoufler juste pour le fun en fait. Putain, il fait nuit tout le temps ici. Désolé si je peux pas activer parce que j'ai pas les commandes sur cette map. Hop, voilà, donc là c'est le fond de l'océan. Toujours avec un petit bug, hein, évidemment. Non, je connais. Alors voilà. Et donc du coup, quand on partira, regardez-moi ça. Voilà, c'est pas magique, hein, j'adore. C'est magique, c'est magnifique. Alors, et par contre, si on veut pas en fait passer par le système, c'est tout con, on rentre dans le minecart et on reste appuyé sur la touche Z. Et voilà. On rentre pas dans le système et on peut tranquillement se balader plus loin. Et bien sûr, si on veut repartir, alors il manque plus juste qu'un bouton. Alors on voit vraiment que dalle, désolé, je vais juste mettre une petite torche, voilà, placer un petit bouton parce que maintenant on peut les placer sur les blocs. Et en fait on aura juste appuyé sur le petit bouton, rentrer dans la carte et hop on se casse. Alors évidemment power drive doit être allumé ici, voilà. Ouais c'est bon, ça interfère pas avec le piston, sait-on jamais. Alors on appuie sur le bouton, on rentre dans le minecart et voilà, on est reparti dans le sens opposé à la direction. Bah voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu, donc n'hésitez pas à vous abonner. Hein. Donc désolé si les vidéos sont très espacées, style au moins de 3 mois, car franchement j'ai pas vraiment beaucoup le temps d'en faire, et c'est vraiment, on va dire la chaîne, c'est pas vraiment le truc qui passe le premier dans ma... enfin c'est pas la première chose qui passe dans ma vie quoi, j'ai d'autres besoins, mais bon, c'est pas pour autant que j'aime pas faire des vidéos sur YouTube, donc je vais continuer, on verra où ça me mènera un jour, hein, donc sait-on jamais. Donc merci encore, hein, vous êtes de plus en plus d'abonnés. Donc moi j'aime bien réagir avec vous, avec vos commentaires. Alors pas des cons, hein, qui pensent des commentaires de merde, mais des gens sympas qui posent des questions comme ça. Ouais, j'aime bien, moi j'aime bien leur répondre. Moi je suis comme ça, moi.
Voilà, donc j'espère que cela vous aura plu. Sur ce, à une prochaine. Ciao. Voilà, désolé, oui, j'ai déjà dit au revoir, mais je reviens. je tourne actuellement à 2 FPS, c'est parfait. Non, sérieusement, désolé, c'est parce que je fais une petite partie, hein, il faut placer les panneaux alors. Vous allez mettre un petit mur comme ça, et vous allez placer deux petits panneaux. Un panneau ici et un panneau là. Juste simplement pour éviter que l'eau coule. Juste ce qui manque aussi, c'est là, hein. Bon, ça vous l'aurez deviné, je pense. Voilà. Ici, un double coffre, ou un coffre normal, si vous voulez un double ou un normal, pour mettre les bateaux. Donc allez, on va mettre une petite dernière fois juste. Putain, mais c'est juste. Voilà là. Franchement, c'est juste magique. Enfin, j'adore. Bref, voilà. Allez, sur ce, ciao.